Tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les amis, dans cette vidéo on est parti pour tester, customiser ce tout nouveau véhicule. Donc il s'agit, les gars, du camion de glace. Je vais même pas tester de le prononcer. Creator, voilà ça, Ice Hunter. Ok, c'est bon. On s'est compris. Voilà, donc les gars, alors voilà, on va se faire ce monstre. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un point de vue custom? Je sais pas du tout. J'ai pas encore testé, on va voir ça ensemble. Alors, comme vous voyez, c'est un truc juste what the fuck. Le camion de glace de l'espace, tout simplement. Alors, on va regarder un peu derrière comment il est fichu. Voilà, comme ça. Ok. On va même aller s'asseoir dedans, tiens. On va voir un peu l'intérieur. Allez, hop, on ouvre la porte. Et franchement, au niveau des manos, là, c'est stylé. Ouais, vraiment les compteurs ultra stylés. On démarre. Alors, fuel, MPH, les contours. Après là, on a l'heure et, alors, deal, je sais pas trop ce que c'est. Et ampère, donc ça c'est pour la batterie. Ok, donc l'intérieur est comme ça. Oh, franchement, regardez les potes. Deux petites secondes, regardez le détail de la sellerie. Et franchement, on croirait vraiment, presque limite, on a l'impression que si on y met les doigts, on sent la texture du cuir, vous savez. Alors franchement, c'est ultra bien fait. C'est ultra, ultra bien fait. Alors la porte, ok. Eh hey, ouais, elle s'ouvre en papillon, je sais pas trop comment là, mais elle s'ouvre un peu chelou. Ouais, c'est pas mal. Et sur le capot, oulala, ça vibre fort. Bah alors, c'est quoi ce camion de fou? Ah, cette idée, regardez la petite glace sur à l'intérieur du volant. Franchement, pas mal. Allez, on descend. Et du coup, ouais, ouais, j'ai pas fait gaffe, cette histoire des portières, là, regardez. Ouais, c'est ultra sympa. Alors, allez, du coup, on est parti pour le customiser. Et on peut changer des pièces, les potes. Ouais, donc on peut rien changer. Bon, ok. L'intérieur, je vais pas la changer aussi. Bon, ok. On peut faire uniquement de la vanité et de la livrée. Mais très honnêtement, je ne sais pas si je vais changer la livrée. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir des masses, étant donné que la mise à jour vient de se faire. Bon, niveau des livrées, il n'y a rien. Vanité, peut-être qu'on va se faire un truc sympa. Alors, les pneus, ça change quoi? Ah ouais, ça change tous les pneus. Je pensais pas que ça allait changer l'arrière aussi. Alors, est-ce qu'on aurait un truc un peu genre vert? Non, ça, c'est pas terrible. Je pense qu'on va laisser les vanités qui nous ont mis d'origine. Alors, du coup, on a ça. Ouais, non. On a ça. Bon, ok, je vais laisser ceux d'origine. Je trouve qu'ils sont très bien. Voilà, l'origine, j'aime bien parce que, tout simplement, sur l'avant, on a un pneu à flanc blanc. Et sur l'arrière, on a un autre style de pneu. Donc ça, ok. Alors, pour ce qui est de la fumée, on a du vert, pourquoi pas. Les gars, on va mettre du truc what the fuck. Ça, ça ira bien. On a ça aussi qui peut être pas mal. Et ouais, non. Je pense que je vais mettre là où ça changeait de couleur, celui-là. C'est sympa. Après, là, on a du vert. Et du coup, bah ouais, on a celui-là aussi qui peut être... Ah, celui-là. Celui-là, il peut être pas mal. Ok, pour ça, ok. Pour ce qui est des néons, les gars. On a du vert comme ça, mais c'est peut-être un peu trop flashy. On a là un clignotant. Bah écoutez, on va mettre ça. Ça, c'est minable. Ça non plus. RGB, c'est pas terrible. Ok. Donc de là, on est bon. Pour ce qui est des vitres teintées, on a ça. Ah là, on a ce truc. Genre, je sais pas ce que c'est, mais ouais, je pense que ça peut être pas mal. Genre peut-être des petits flyers, vous voyez, il y a différentes glaces. Ouais, non, je pense que c'est genre le truc adapté vraiment à ce véhicule. Vous voyez, il y a différentes sortes de glaces. Ok, donc c'est très bien. Donc là, parfait. Et pour ce qui est du klaxon, ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, allez, ok. Et du coup, voilà, on peut mettre quelque chose sur le toit. Et bah forcément, les gars, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est ça. Bah oui, obligatoirement. Voilà. Donc là, c'est juste parfait. Ça a été fait spécialement pour ce véhicule, je pense. Ok, donc de là on est bon les poteaux, maintenant on va se faire les performances, allez. Alors comme vous voyez, niveau de performance, on est à 107 sur 230 et le reste on voit pas. Donc allez, on va booster tout ça à fond. Ok les gars, on est maxé, donc la VMAX on est à 280 km/h, la puissance 718 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 5, les latéraux on est à 1.01, ok, et la distance de freinage on est à 18,05 m. Ok les poteaux, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le tester directement sur les épreuves appropriées.
Allez, c'est celle-là, le round 1. Allez, go. Allez, comme ça, on va découvrir cette course ensemble. Je l'ai encore jamais faite, hein, comme vous voyez. Allez, on est parti, les amis. Ah, j'avais pas fait gaffe, les glaces, regardez, elles tournent. C'est flambant. Allez, ça y est, on est parti, les poteaux. Voilà, ok. Voilà, c'est pas comme les Monster Truck, hein. Faut pas faire de looping ou quoi. Allez, super! Oh là là, flambant cette épreuve! Oh, flambant, mais putain, mais j'adore. J'adore, les gars. Ils nous ont vraiment fait un truc chouette. Hein. Allez, là, on va passer par là. Ah ouais, donc du coup, on peut passer par-dessus, alors. Hein. Si je comprends bien. Allez, vite, que je perds du temps. Bon, il faut pas sauter trop, les gars. Hein. Ok, là, c'est quoi cette histoire avec les trucs qui tournent et tout? Oh, c'est de la tuerie. Allez, on drift. Voilà. Ah, on a des petits loopings, les poteaux. Wouah! Ah, celui-là, on va se prendre celui-là. Looping 250 points. Ouais, ça nous fait 500 points, quoi. Bon, ok. Ah, stylé! Stylé! Oh, j'adore les courses qu'ils nous ont fait là. J'adore. Ouh oui, précision. Ah ouais, donc là ça rapporte quand même pas mal. Ouh, c'est chaud là. C'est chaud. Ok. Voilà, super. Dommage. Alors, un petit truc que j'aurais aimé. Amis développeurs, si vous voyez ma vidéo, ce qui aurait été sympa. Ça aurait été un peu comme GTA, bon, il y en a pas mal qui vont dire, ouais, c'est pour copier, ça sert à rien. Mais genre, vous voyez, les trois petites étoiles, là, ça serait tellement bien, genre, qu'elles nous boostent, vous voyez, qu'elles nous donnent un petit coup de boost. Voilà, ça serait super. Franchement, ça serait vraiment super. Hop là. Voilà, j'en étais sûr, j'avais terminé un peu trop loin. Saute mouton. Allez, à fond. Regarde là les trois petites étoiles. Ça aurait été tellement bien qu'elles nous donnent un petit coup de fouet, là, un petit coup de pied aux fesses. Ah, et là, hop. D'esquiver, pourquoi est-ce que tu dis celui-là? Ah, on est arrivé, les poteaux. Oh, je suis à 37 000 points. Je sais pas comment ils ont fait pour faire 300 000 points les records mondiaux là. Bon, ok, ça marche. Bon, en tout cas, franchement, terrible. Bon, ben ok, super. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, les gars. Allez, on va se faire un petit tour vite fait en ville histoire de conclure la vidéo. Ah ouais, donc là, c'est tous les points qu'on a. Donc, saut, atterrissage, les panneaux, spécial, vitesse max. Caisse de points, précision, drift, vitesse élevée, looping, burn, formation. Ouais, vous voyez les points de formation, ça doit être important. Donut, nitro, aspiration, dépassement, rotation sol, le grand saut. Donc vous voyez, si on fait des trucs en crew, on gagne quand même pas mal de points. Hein. Notamment les dépassements et le grand saut en crew, 2000 points, pas mal. Ok, ça marche. Allez, on va aller en ville vite fait. Bon voilà les amis, nous voilà en ville. Bon bah les gars, on va aller distribuer des glaces. N'ayez pas peur! Vous voulez pas 2-3 glaces? Non? Je suis gentil moi, regardez. Je distribue des glaces. Non, et non. Non, ils s'en foutent. Hop là. Hop là. Ah, j'avais pas vu, regardez, quand on accélère. Le petit truc qui récupère de l'air là devant sur le moteur, il est fonctionnel. Bon, ok, bon bah si tu veux pas des glaces, alors je vais te burner dessus, hein, que tu fuses. Allez, tant pis, il veut pas de mes glaces, on se casse. Bon, mais les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à lâcher un énorme like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.
Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Discord du type, ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming, pour acheter les jeux jusqu'à 90% moins cher, VMAX, 282. Avec un peu de neuf peut-être, 292. Oupola, 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 oupola. Ouais, donc là c'est un peu serré quand on passe en plein milieu, 290. Allez, sur ce les amis, ouais j'ai oublié Burn Controller, vous avez Burn Controller et Frontal. Aïe. Gros freinage ce véhicule, vraiment. ça pile bien. Ah, peut-être à l'arrêt de bus. Non, y'a pas des personnes qui veulent. Oh les gars, c'est quoi ce truc? Expérience in 3D. C'est quoi le 3 à votre avis? Est-ce que c'est par rapport aux 3 ans de The Crew? This Summer, cet été, 3. Et ouais, c'est ça. Cet été. Enfin, c'est dans pas longtemps, les gars. Les 3 ans de The Crew. Bon, allez. On va fêter ça. Allez, sur ce, les amis. Attendez, petit burn final. Et après, j'ai plus qu'à vous dire bon game à tous. Et à plus, les amis, à plus. Allez, ciao!